peintre marquant de la figuration narrative, Henri Cueco est aussi l'un des fondateurs de la coopérative des Malassis. L'artiste a plus de 40 années de peinture derrière lui. On retrouve ici une vingtaine de toiles assez représentatives d'une œuvre pour le moins éclectique. On est très heureuse de cette exposition parce qu'on a eu la chance de pouvoir avoir des œuvres vraiment emblématiques de différentes périodes très connues d'Henri Cueco, c'est-à-dire la série des chiens, la série des pommes de terre, les petits paysages, les imagiers. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu voir ces séries de tableaux, d'autant plus dans une galerie privée, d'autant plus donc avec des œuvres à vendre de cette période-là. Les chiens ont souvent fait leur apparition dans le travail d'Henri Cueco au fil de sa carrière. Le peintre leur a consacré plusieurs séries et à chaque fois, leur présence et leur mouvement frappent l'œil du spectateur. C'est un peu l'opposé aussi quand même de la peinture bling bling parce que c'est quelqu'un qui parle sincèrement, avec ses sentiments, qui parle de peinture, qui parle d'histoire de l'art. Enfin, c'est vraiment un plaisir personnel que les collectionneurs ou amateurs ont en venant voir cette exposition. On verra autant les petits formats dans lesquels Henri Cueco s'empare des objets du quotidien que les petits paysages réalisés dans les années 90 en Corrèze. En tout état de cause, le rapport de l'homme à la nature reste au cœur de son travail.